Attention. Donc Marie, pour commencer un morceau, on a besoin de quoi? On a besoin d'une clé. Allez, vas-y, tu la places. Ok. Jules, dès qu'on a mis la clé, qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu peux installer donc les cartes que tu souhaites. Pourquoi t'as mis une carte bleue? Parce qu'il faut la faire plus fort. Ah, d'accord. Voilà, donc tu as décidé de mettre quatre cartes. Une fois que donc on a ces quatre cartes-là installées, Noah, qu'est-ce qu'on fait? On met une barre de mesure. On met une barre de mesure. Ok. Ensuite, Robin. Une carte bleue. Et puis, on remet encore le même nombre de cartes. Une fois qu'il y a le même nombre de cartes, Cameron, qu'est-ce qu'on fait? Oui, et toi, tu as envie de quoi? Que le morceau il se termine ou qu'il continue? Allez, tu remets ta barre de mesure alors. Sacha, qu'est-ce que tu fais? Oh, l'histoire, on va la commencer juste après parce que tu vois, le morceau, il n'est pas encore terminé là. Pour qu'il termine, on doit faire quoi pour qu'il se termine le morceau? Bon, tu remets une série de cartes. Et on dira que le morceau sera terminé juste après. Voilà, essaie de mettre quand même pour que la partition soit bien droite. Hein. Alors, Eva, c'est pas toi qui fais ça. Eva, donc on dit que le morceau il va se terminer. Qu'est-ce qu'on doit indiquer à la fin du morceau? Voilà, mets la plus grosse en fait à la fin. Voilà, ok. Et maintenant, on peut inventer notre histoire. Mais j'aimerais bien que, là, regardez le morceau, il part un petit peu de travers hein, à la fin. Vous pouvez mettre les cartes un peu. Voilà, sinon on va faire une musique de travers. Ok, le morceau est prêt. Qui peut m'expliquer en fait ce qu'il y a? Noah, montre-moi une mesure. Voilà, très bien. Robin, va me montrer la troisième mesure. Très bien, ok. Allez, on invente l'histoire. Donc c'est une histoire, on l'avait juste inventée avant. C'est une histoire qui met en scène des hommes qui s'appellent Michel. Michel, ok. Alors, on va revenir, Marie, pardon. Tu mets un Michel quelque part sur le morceau où tu veux. Elle choisit notre Michel Doré qui vous a bien fait rire tout à l'heure vu que c'est Manic & Pis. Ok. Alors, Jules, tu me mets autre chose. Donc, ça peut être un Michel ou alors le petit signal pour dire stop. Ok, très bien. Noah. Ok, Robin. Voilà, Cameron, tu en mets un autre. Tu choisis. Soit c'est un Michel, soit un petit cône. Ok. Et ensuite, on a encore Sacha. Une carte de livre. Hein. Voilà. Et enfin, Eva. Voilà, on est prêt à faire le morceau tous ensemble. Alors, je vais descendre ici. Hop. On est prêt? On n'oublie pas que sur la carte bleue, donc C'est on doit plus le fort. faire plus C'est plus fort parce fort. que c'est un temps fort. Et quand c'est une carte rouge, Moins fort, moins moins fort. fort. On est prêt? 1, 2, 3, 4. Michel! Stop. Michel! Stop. Michel! Stop. Michel! Et le morceau, il s'arrête vu qu'on a la double barre. Voilà. Est-ce que le morceau, on l'a très bien fait? C'était nickel? Non. Pourquoi c'était pas Si, top parce que top? des fois on se trompe. Oh, c'est pas que vous êtes trompé, mais vers la fin, qu'est-ce qu'on a fait? On a Michel. un petit peu hésité. Donc on va refaire. Sinon, pour les cartes bleues plus fortes, c'était très bien. Et pour les autres aussi. Attention. 1, 2, 3, 4. Michel. Stop. Michel. Stop. Michel. Stop. Michel. Est-ce qu'on a un Michel ici? On refait là. 3, 4. Michel. Alors on se concentre. 3, 4. Stop. Michel.
Voilà, et maintenant, on va transposer tout ça sur une feuille avec des portées.